Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Arcangélion, on est dans la foulée de l'épisode précédent. Donc on est toujours à 13 au niveau de la maîtrise, on est à 2010 au niveau des gemmes, 66 475 pour ce qui est des couronnes. On a un courant, un rare qu'on a récupéré juste l'épisode d'avant. Le coffre est ouvert à 17,3% et on a 3 jetons de draft et 4 jetons lancez-vous. La maîtrise, on en a parlé, hein, et on va aller sur les boosters. Donc on va descendre à 42. Allez, c'est parti. Ok, on vient de récupérer un inhabituel. Ok. Alors ici, on a débordement de l'entasseur, carte rouge qui arrive au deuxième round, c'est un enchantement. Quand le débordement de l'entasseur arrive sur le et à chaque fois que vous déboursez 4, mettez un marqueur réserve sur lui. C'est quoi un marqueur réserve? Alors, vous déboursez 4 à un moment où vous dépensez votre quatrième mana au total pour lancer des sorts pendant un tour. Alors pour 2 manas, sacrifiez le débordement de l'entasseur, défaussez-vous de votre main, puis piochez un nombre de cartes égal au nombre de marqueurs réserve sur le débordement de l'entasseur. Ok. Ouais, ok. Pas de petite phrase, non. Cultivatrice de Morte Baie, carte Golgari, donc école de magie noire et verte qui arrive au troisième round, créature écureuil et psychagogue qu'on a vu l'épisode d'avant, je voulais présenter l'épisode d'avant. Aîné du Terrier, carte blanche qui arrive au deuxième round, créature lapin éclair. Elle a pour 4 manas dont un blanc, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Elle a 2 en force et 2 en défense. Petite phrase. L'union fait la force, c'est un fait, mais elle fait surtout la joie. On enchaîne avec négociation impitoyable. Carte noire qui arrive au premier round, c'est un sort de rituel, un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, piochez une carte. À la flashback pour 5. Petite phrase. La prochaine fois, sois gentil et apporte quelque chose qui vaille la peine d'être volé, au moins. On enchaîne avec Écuyer Akos, carte Azorius qui arrive au quatrième round et qu'on connaît, c'est bien ce que je me disais, créature, oiseau et éclaireur. Donc voilà, vous l'avez vu dans les épisodes précédents. Duo d'accro, carte noire qui arrive au troisième round, créature rat et écureuil, qui paie du contact mortel. Quand le duo croc-cro arrive, vous pouvez meuler 2 cartes. 3 en force et 2 en défense. Petite phrase. Devrions-nous passer à l'action maintenant ou plus tard? Demanda la rate. Les deux, murmura l'écureuil. Déchiqueteur de registre, carte bleue qui arrive au deuxième round, créature, oiseau et conseiller, qui paie du vol à chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort à chaque tour, le déchiqueteur de registre connive, 1 en force et 3 en défense. Petite phrase. Bon. Vous appelez ça un collège? Moi, j'appelle ça du gabarage. «
Saison du terrier, carte blanche qui arrive au cinquième round. C'est un sort de rituel. Choisissez jusqu'à une valeur de 5 pattes de mode. Vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Pour une patte, créez un jeton de créature 1-1 blanche lapin. Pour deux pattes, exilez un permanent non terrain ciblé sans contrôleur. Pioche une carte. Et pour trois pattes, renvoyez sur le champ de bataille avec un marqueur indestructible sur elle une carte de permanent ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Punaise, elle est pas mal. Elle est hyper bien. Alors là, pour faire un Boros Valou, il y a de quoi faire là. Déjà, vous pouvez créer rien que 5 jetons, rien qu'avec la première patte que vous utilisez 5 fois. Waouh! Elle est méchante, elle. Boros Valou, il y a moyen, là. Hein. Boros Jeton Valou, d'ailleurs. Mais ouais, non, il y a moyen. En plus, vous faites ça sur un croisade Qatar. Toutes vos 1-1 elles deviennent 5-5. Vous vous retrouvez avec 5-5-5 d'un coup en face de votre adversaire. Si le mec a pas de race board, il est mal. Alors ici, hurlement du feu dévastateur, carte rouge carré au troisième round, c'est un sort de rituel. Faites cadeau d'une carte. Le hurlement du feu dévastateur inflige 2 blessures à chaque créature. Si le cadeau a été promis à la place, le hurlement de feu dévastateur inflige 1 blessure à n'importe quelle cible et 2 blessures à chaque créature. Ok. Ok. Ensuite, décoction de Sazakap. Carte rouge carré au deuxième round, c'est un sort d'éphémère. Faites cadeau d'un poisson engagé. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte. Un joueur ciblé pioche 2 cartes. Si le cadeau a été promis, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. D'accord. Ensuite, grotte cachée, terrain. Quand la grotte cachée arrive, surveillez 1. Si on l'engage, ajoutez un mana incolore. Et si on sacrifie un mana et qu'on l'engage, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok. Bon. On enchaîne avec frondeur de théière. Carte rouge qui arrive au quatrième round, c'est une créature, raton laveur guerrier, équipée de la menace. À chaque fois que vous déboursez 4, le frondeur de théière inflige 2 blessures à chaque adversaire. 3 en force et 4 en défense. Petite phrase, pour la dernière fois, c'est de la porcelaine, pas du grès, espèce d'ignare. On enchaîne avec Fuir Ensemble, carte bleue qui arrive au deuxième round et qu'on connaît. Pareil pour Duo Credo de Vie, carte blanche qui arrive au deuxième round et qu'on connaît aussi. Ah zut, je suis parti, bon tant pis. Préceptrice Sylvestre, carte verte qui arrive au premier round, c'est un sort de rituel. Cherchez une carte de créature dans votre bibliothèque, révélez-la, puis mélangez-la et mettez cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Ok. Port fontaine, terrain, incolore. Si on l'engage, donc ben, on ajoute un mana incolore. Pour deux manas et son engagement, sacrifier un jeton, piocher une carte. Et pour trois manas et son engagement, payer un point de vie, créer un jeton de créature 1-1 bleu poisson.
Pour Kat et son engagement, créer un jeton trésor. Oh, ils sont mignons, les petits ratons. Elle est vraiment belle, cette extension. Ok. On avait dit 42, hein. Allez, on est parti. Alors, on commence avec Mentor, Garde Terrier, carte Selenia, donc magie, école de magie verte et blanche, qui arrive au deuxième tour, créature, lapin et soldat. Équipé du piétinement, la force et l'endurance du Mentor, Garde Terrier sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Waouh! Eh ben, avec la carte qui fait 5 jetons d'un coup là, je vous dis pas comment elle monte elle prend son essor, la mentor. Là, c'est à jouer en Selenia, Tribal Lapin, Selenia, et Tribal Lapin, Selenia, et puis rajouter Croisade Cathare. Quand vous allez claquer vos trucs, Croisade Cathare va créer des. Va les faire monter de 1-1 pour chaque créature. Donc vous imaginez un peu. Déjà, lui a tendance à monter, plus il y a de créatures, plus il monte. Mais en plus, avec Croisade Cathare, il va monter 2 fois plus vite. Il y a une petite phrase, oui. Ne traitez pas la patte. J'ai combattu dans ces champs plus de saisons que vous n'avez eu de repas chaud. Mascotte des trois arbres, carte incolore qu'on connaît, hein, qui arrive au deuxième round. Ah non, non, c'est une nouvelle. Donc, carte incolore qui arrive au deuxième round, créature artefact change forme, change l'un. Et pour un, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, n'activez qu'une seule fois par tour. Deux en force et un en défense. Petite phrase. Toutes les pattes et les griffes devraient participer aux célébrations de la cité des trois arbres, même le char souris. Gazette de Valais, évaluation à 4 glands. Ok. Ok. Ici, duo d'accro, carte noire qu'on connaît, hein, qui arrive au troisième round, c'est une créature à écureuil qu'on a déjà vue. Un joker inhabituel, un joker courant. Et donc on est à deux courants, deux inhabituels, un rare, et le coffre est ouvert à 17,3%. Ici, pêcheur de tempête, carte Izette qui arrive au troisième round. Donc, Izette, école de magie, bleu et rouge. Créature, loutre et sorcier, à chaque fois que vous lancez un sort, non créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le pêcheur de tempête. 2 en force et 2 en défense. Que ce soit pour lancer une ligne ou lancer un sort, il n'y a pas meilleur que moi. Je crois que je l'ai pris sur la figure là avec mon deck noir. Le deck noir a rien donné aujourd'hui. Écosseur de pensée, carte bleue qui arrive au deuxième round, c'est une créature à Aigredin qu'on connaît. Allez, hop. Talent du charognard, carte noire qui arrive au premier round, c'est un enchantement de classe. Alors, premier niveau, à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez meurt, créez un jeton nourriture. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Pour le deuxième niveau, deux manas dont un noir, à chaque fois que vous sacrifiez un permanent, un joueur ciblé meule de cartes. Et pour le niveau 3, 3 manas dont un noir. Au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier 3 autres permanents non terrain. Si vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature avec un marqueur fatalité sur elle. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez. On en reste là pour aujourd'hui. On va ici sur. Hop. Alors, on en est où? On est à 35.
Donc 22, non, 5 mythiques, 23 rares, 21 inhabituelles et 44 courantes. Ok, bah c'est cool. C'est vraiment cool. Allez, on enchaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et profitez bien de cette vie. Allez, bye bye tout le monde. Salut!